Bonjour à toutes et à tous, c'est Erin Kou, bienvenue sur ce nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. On est à l'épisode 21, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Bienvenue dans la forêt. Dans la forêt Korogu, dans laquelle on... En fait on avait fini l'épisode là, ici, parce que on avait... Voilà, bois perdu, ça y est. C'est parti, on va résoudre l'énigme des bois perdus. La dernière fois on avait récupéré des emblèmes du triomphe et on avait rencontré cette statue un peu... maléfique. C'était assez intéressant. Et du coup voilà, on va utiliser notre torche, car oui, on en aura besoin. Alors, c'est toujours la torche, je crois que c'est la torche du vieux d'ailleurs. Là, et là, regardez bien, le vent nous indique la direction. Alors, il faut écouter le vent. C'est par là. Voilà, on a qu'à suivre la lueur des flammes, en fait, qui se dirigent dans la bonne direction, finalement. Hop, voilà, donc là, c'est par là. Bon, pour l'instant, il suffit de suivre les torches, c'est très facile. Mais au bout d'un moment, les torches ne se verront plus. Et c'est là que ça deviendra compliqué. Pour l'instant, on est bien, voilà, tout va bien. C'est par là, voilà. Et c'est pourquoi on aura besoin d'une torche, car c'est la torche qui nous donnera le bon chemin. Alors là, c'est par là, apparemment. Ah bah oui, on voit la torche qui est ici. Ah bah voilà, c'est même les doubles torches. Et là, du coup, je pense que là, c'est la vraie entrée de l'énigme. Ah bah écoutez, on commence avec un coffre, d'ailleurs, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce coffre? Ah, la lance des Sylvains, très bien. J'ai plus de place, c'est super. Est-ce que j'ai un truc à jeter? Oui, ça. Je préfère la lance des Sylvains, je suis désolé. Allez. Ah bah dis donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, parce que cet épisode va être cool, je pense. On a une ambiance vraiment unique avec cette musique et tout ça, enfin c'est vraiment cool. Du coup, il faut se diriger par là-bas. Ah bah ça marche aussi, on va éviter de cramer ça quand même, on va prendre la torche, hein, ça sera un peu mieux. Ah, elle est déjà allumée, incroyable. Pff, bah c'est parfait. Regardez, là le vent nous dit d'aller dans cette direction, du coup on y va, c'est parti. C'est tout simple, hein. Il suffit d'avoir une torche, comme quoi hein. C'est toujours dans la même direction, donc on continue. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a quelque chose de spécial. C'est le masque Korogu qui se trouve à l'intérieur de la forêt mystérieuse. Du coup, bah, ça serait bien d'aller le chercher quand même. J'aimerais bien en tout cas. Ok, là, c'est toujours par là-bas. C'est toujours le cas ou pas? Oui, c'est toujours le cas, on y va. Alors, je sais pas exactement où il est. Il va falloir utiliser Polaris pour le trouver, ce sera plus simple. J'espère que je vais le trouver, hein, d'ailleurs. Hein. Mais oui, en principe, je devrais le trouver, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas hyper dur à trouver. Nous ne sommes que dans une forêt, hein. C'est pas grave, bois perdu. Voilà, on continue de se diriger avec le vent. C'est très très bien. J'essaie de regarder un peu l'intérieur des arbres, s'ils n'ont pas un coffre à l'intérieur. Mais j'ai pas l'impression, hein. Oh, sanctuaire à proximité, ça y est, on commence à détecter ce qui arrive. Alors là, il n'y a pas de coffre, malheureusement. Alors là, apparemment, c'est par là. Ah! Bah écoutez, mesdames et messieurs, je crois qu'on est arrivé. Mais avant, voilà, avant de se diriger là, on va tenter de trouver le masque Korogu. Qui est pas très très loin, hein, finalement. Est-ce qu'on peut se diriger par là? Faut faire attention à la brume, en fait. Parce qu'on peut se faire avoir. Et se faire attraper par les Korogu. Si vous... En fait, les Korogu nous jouent des tours dans cette forêt. Enfin, je pense que c'est eux qui créent les illusions. Donc, ouais. Je pense, hein, après, j'en sais rien. Hein. Écoutez, on va changer de truc. Voilà, Polaris. Non. Est-ce qu'on en voit un de coffre? Je crois qu'il est plutôt de ce côté-là de la forêt. Hein. Il était vers le bout de la forêt. J'aimerais bien savoir de quel côté. Parce que... Bah, je sais pas. Ça serait bien de le trouver. On va tenter de trouver le masque Korogu, ça serait bien. Très, très pratique, hein, ce masque. Pour avoir tous les Korogu. On est peut-être un peu loin dans la forêt, mais on le tente. C'est pas grave. J'espère qu'il est là. C'est un coffre très facile à repérer avec Polaris. Donc c'est pourquoi j'utilise Polaris. Ah, non. Vous voyez, le blanc, la brume a commencé à nous entourer. Du coup, c'était le moment de partir. Ah, j'ai pas eu le papillon. Écoutez, je pense que je me suis trompé d'endroit. On va simplement revenir sur nos pas. Et se diriger plutôt vers là-bas cette fois-ci. Je pense que le coffre est plutôt là-bas, en fait. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop où il est, mais il est vraiment... assez visible, enfin il est assez proche de la sortie comme je disais. Donc ça doit pas être trop compliqué quand même, non? Enfin je sais pas. On fait très très attention à la brume évidemment. Un coup de Polaris. Non! Et ça y est. Vous avez entendu les Korogu? Voilà. On s'est fait avoir. Je vais essayer de trouver le masque Korogu dès que je tombe dessus. On se retrouve à ce niveau là et ensuite on ira dans la forêt tranquillement. Attendez, il y a un coffre. Regardez-moi ça mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vois là?
Un coffre X, ça y est, le masque Korogu est ici. Super, on va pouvoir le récupérer. Oh, c'est génial. Mesdames, messieurs, on va arriver en... Oh là 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 là. C'est le masque inspiré de Dumoria, le Korogu de The Wind Waker, le sage du vent. En tout cas, le nouveau. Et du coup, voilà. Oh, il est trop classe, ce Link. J'adore. Ah, comme ça, il est beau. Et du coup, on a fait la quête du drôle de masque. Alors, malheureusement, je n'ai plus de trucs en feu. Du coup, pour retrouver mon chemin, ça va être compliqué. Mais bref, on se retrouve quand j'avance hein, dans les bois Korogu. Parce que là, je ne sais pas du tout où je m'avance. Je n'ai plus ma torche. Donc, bon, je vais faire comme je peux. Hein, donc, à tout de suite. À tout de suite, tout le monde. Attendez, je crois que je suis dans la bonne direction, là. Et oui, mesdames et messieurs, je ne me suis pas perdu. Je suis dans la bonne direction. Voilà, on arrive à la fin de la forêt Korogu. Et du coup, on va pouvoir entrer... Enfin, on arrive à la fin des bois perdus et on va entrer dans la forêt Korogu. Ah, c'est trop bien. Je suis hyper content. Ah, cette étape du jeu, elle est vraiment géniale. Ça a une ambiance vraiment unique. D'ailleurs, on fera les labyrinthes, je vous le dis, bien sûr, parce que ce sont des moments assez incroyables du jeu et qui en plus nous donnent accès à des choses plutôt cool. Et voilà, l'ambiance de la forêt. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Regardez ça. On va avoir droit à des cinématiques, hein, je vous le dis direct. Oh, c'est beau. Forêt Korogu. Oh là là, c'est incroyable. J'adore. Et regarde. Oh. Mesdames, messieurs, je ne peux pas ne pas faire ce cliché. Je l'avais raté la première fois dans ma partie. L'épée de légende dans la forêt. Ah, la cinématique débute. Ah, d'accord. Voilà. L'épée de légende, c'est quand même magnifique, ça. Oh, j'adore. Eh oui. Allez, on va la prendre en photo. Oh, c'est beau. Mesdames, messieurs... Je crois qu'on a là le cliché de nos rêves. En fait, cette épée de légende, voilà, c'est comme l'édition limitée, bien sûr, de Breath of the Wild, qui était incroyable. Elle est toujours, hein. Voilà, je pense que pour l'encyclopédie, là, on est... Oh là là, c'est beau. Ah, c'est... Oh, j'adore. Ben voilà, super, on a... Ah, voilà, et je voulais prendre les princesses de la sérénité ici, aussi, parce que je voulais qu'il y ait l'épée de légende, d'ailleurs, un petit peu en... Alors, attendez. On va essayer de faire ça correctement. Est-ce qu'on peut avoir un cliché correct? Je suis peut-être un peu haut. Est-ce qu'on peut se baisser? Ah, j'étais déjà baissé? Bon, c'est pas grave. On va essayer d'avoir cette princesse de la sérénité avec l'autre, peut-être, en fond. Alors, attendez. J'essaie d'avoir un bon cadre. Un cadre pas trop pourri. Est-ce que c'est une bonne photo? Je sais pas. Non, elle est pas ouf. Je pense que le mieux, c'est simplement de se focaliser sur celle-ci. Et puis, ça sera pas mal. Allez. Fais le focus, voilà, merci. Peut-être pas tant zoomé que ça. Là, je pense que c'est mieux. Ah oui, c'est carrément mieux. Écoutez, on va laisser ça comme ça. On pourrait même la faire de nuit, mais bon. Oh, mesdames et messieurs, je vous avais promis quelque chose. Enfin, promis non, mais enfin, je vous avais dit un truc. C'était qu'on allait voir Noya alors qu'on était tout nu. Bah écoutez, je pense qu'il est temps de le faire. Oups, regardez-moi ça. Salut Noya, enfin, on se retrouve. Youhou, t'es tout nu. Moi aussi, on est tout nus tous les deux, youpi, les fesses à l'air. Est-ce que vous connaissiez ça? Un jour, j'ai voulu parler à Noya en étant nu, je sais pas pourquoi. Et bah écoutez, il était content. Du coup, voilà, c'est un petit truc rigolo. Des fois, il faut s'amuser à parler aux gens à poil pour pouvoir débloquer des choses, des discours intéressants, enfin des dialogues, enfin bref. Voilà, on a notre masque Korogu pour... Bah voilà, on est avec des Korogu, pourquoi on s'habillerait pas comme eux? Est-ce qu'on améliore tout de suite les trucs? Non. On va d'abord commencer par faire un sanctuaire, mesdames et messieurs. Un sanctuaire que plein de gens, hein, il y a beaucoup de gens... Enfin, quand on m'a parlé de Breath of the Wild, on m'a souvent évoqué ce sanctuaire. Le sanctuaire de Kyo. J'ai pas eu le temps de voir la suite du nom. On va le voir de toute manière quand on va rentrer. C'est le sanctuaire des étoiles, là. Oh là là. Il y a plein de gens qui arrivaient pas à le faire. Moi y compris, d'ailleurs. En fait, la première fois que je l'ai fait, il y avait ma sœur à côté, elle s'est dit... Mais attends... Regarde ce mur au fond. Moi, j'étais en mode... Ah oui. En fait, je regardais pas assez loin. Le sanctuaire de Kyo. Où... En fait, moi, je regardais tout ce qu'il y avait dans cette zone. Et je regardais pas au-delà du mur. Et pourtant, il suffit de lever un peu la tête. Et on voit tous ces symboles. Ouais, voilà. Ouais, on s'est sifflé, ouais. Les étoiles seront ton guide. Avec ton destin, leur nombre coïncide. J'adore ce genre d'énigme. Dans Zelda, là, ça fait plaisir. Du coup, en fait, il suffit de voir. Hein. On a un symbole là... C'est celui-là, on va regarder combien il y en a. Alors, on en a un, je vais en fait éviter de zoomer, sinon je vais pas les compter, il y en a 5. Il y en a 5, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend la boule et on va jusqu'au numéro 5, puisque ça indique le numéro 5. Est-ce qu'on a une boule? Ah oui, ils sont là. On a la boule, on la met dans le 5, et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, ce sanctuaire.
Mais bon, encore faut-il regarder assez loin, parce que... Alors là, c'est le symbole des doubles trucs. Du coup, on en a un, on en a deux... trois... Je crois qu'il y en a que trois, si je dis pas de bêtises. Donc on va aller le mettre au 3, celui-là. Hop. Très très simple. Ensuite, on a quoi comme symbole? Oula, là on a le grand truc, donc on en a un. Et puis c'est tout, je crois. Je crois qu'il y en a qu'un, et l'autre il y en a deux. Donc on va le tester comme ça. Un pour celui-là. Et deux pour celui-ci. Est-ce que ça marche? Normalement oui, hein. Oui, ça a marché, mesdames et messieurs, voilà. On a activé le premier sanctuaire. On l'a terminé. Oh, il est si classe, notre Link avec le masque Korogu, j'adore, j'adore. Et là, vous dites, ben c'est bon, on peut quitter. Attendez, attendez, regardez, nouvelle énigme, paf. C'est exactement la même chose, sauf que là, il faut prendre en compte ces étoiles-là. Donc là, ça va être 4. Le deuxième, c'est quoi déjà? Ah oui, 4, 2, 4, 2, 2, 1. Là, il faut faire 4, 2, 2, 1 pour ouvrir cette grille, donc on va le faire. 4, 2, 2, 1, c'est parti. J'espère que je me suis pas trompé sur le compte. Au pire, je retourne au revoir, c'est pas un souci. On a juste à modifier, c'est très rapide. Hein. Hop. De toute façon, la grille est ouverte, elle va pas se refermer, donc c'est pas un problème. Voilà, super. Alors là, est-ce qu'il était déjà sur deux? Ah bah là, il faut juste inverser les deux, et puis normalement c'est bon. Enfin, je crois. Je crois, ouais. On verra. On va tester. Est-ce que j'ai bien compté? Ça se trouve, j'en ai loupé, parce que... Ils se ressemblent tous un petit peu, enfin c'est les mêmes couleurs et tout, c'est que des traits, donc bon c'est un peu compliqué d'être sûr de bien voir. Ah oui c'est bon, on a réussi mesdames et messieurs, voilà comme ça on a le coffre également, donc pour ceux qui galéraient à ce sanctuaire, et ben voilà, bon je pense que vous l'avez fait depuis, mais si jamais vous ne l'avez pas fait, bah écoutez, c'est l'occasion de se lancer et de le faire parce que, bah quand même c'est cool quoi. Espadon de chevalier, comme si on en avait besoin, on va jeter celui qu'on a déjà si on l'a toujours. Voilà, comme ça on a une arme toute neuve à la place. Et du coup, on va pouvoir parler au moine Sheikah, bien sûr. Alors, attendez. Oui, il y avait qu'un seul coffre, tant mieux. Eh oui, adieu, petit espadon de chevalier, je marche dessus. Paf, paf, paf. Voilà, on y va. Oh là là. En vrai, je trouve ça stylé. Quand ma sœur m'a dit, regarde là-bas, j'étais en mode... Ah ouais. Et genre, vraiment, c'est... Je me suis dit, mais punaise, je suis trop bête de pas avoir regardé plus loin que la... que l'encerclement, enfin, que le... la limite, en fait, qui nous était imposée. Oh, nous remercie comme ça. Oh là là. Super. Du coup, on va parler un peu aux habitants de cet endroit, hein, de la forêt Korogu, parce que bon, finalement, on arrive comme ça, on dit pas bonjour. Voilà, je pense qu'il serait temps de parler au maître des lieux. J'ai nommé l'arbre Mojo, si vous ne l'avez pas compris, je pense que tout le monde le sait, voilà. Mais bon, je préfère le préciser. C'est d'ailleurs une des zones les plus difficiles à charger pour le jeu, parce qu'il y a beaucoup de végétation, etc. C'est pas simple, c'est pour ça que ça rame un petit peu. C'est pas gênant, hein, vraiment. Mais voilà. On va parler à monsieur l'arbre Mojo, et en plus on aura un petit souvenir si j'ai pas de bêtises. Du coup c'est parti, on va aller parler, comment on lui parle? Est-ce qu'on peut lui parler d'ailleurs? Ah, je crois qu'il faut retirer, il faut tenter de retirer. Alors écoutez, je pense qu'on va le tenter, est-ce que ça va retirer tout de suite? Ah j'ai peur en vrai, je sais pas. Dans le doute, j'enlève un peu tout ce que j'ai parce que je veux que la cinématique soit belle, du coup j'enlève un peu tout ça. Et j'enlève bien sûr mon masque, hein, parce que c'est bien gentil, mais je veux un Link pur. Allez, on va tenter. Ah, on a le souvenir direct? Ou c'est l'arbre Mojo? Le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens.
la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons voir si tu en es capable. On a la nouvelle quête, la lame du héros, et voilà, après un petit flashback et un discours de l'arbre Mojo, nous voici de nouveau face à l'épée. On va tester ça, c'est parti. Attention. Oh, damn. On va tenter de retirer cette épée. Est-ce qu'elle va se retirer? Oh, attention, mesdames et messieurs. Ça passe, on dirait que ça passe. Ok. Chaud patate. Si tu n'avais pas lâché prise, tu aurais péri, mon garçon. Je n'interviendrai plus à l'avenir. Prends soin de bien te préparer avant ta prochaine tentative. Ok, voilà. L'arbre Mojo est sympa, il nous prévient. Et donc, quelles épreuves va-t-on faire pour obtenir cette épée sacrée? Bah écoutez, on va le faire tout de suite. On récupère les princesses de la sérénité en voie d'extinction, bien sûr. On va parler à ce monsieur, salut. Est-ce que c'est toi? Oh, c'est toi. Non, les deux, voilà. Passe les épreuves, c'est lui, exactement. Comment tu vas? Non, Dune, tu es impossible. Le héros est parmi nous. J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. C'était donc un présage de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. Oh, héros d'Hyrule, les Korogus ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Elles sont d'une difficulté sans égale, mais si tu les réussis, tu pourras retirer l'épée de légende, comme si elle avait été plantée dans du beurre. Enfin, espérons. Bien, bien, souhaites-tu te soumettre aux épreuves Korogu que nous avons préparées pour toi? Oh que oui. Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans même savoir de quoi il s'agit. Cela te jouera des tours. Ne crois-tu pas que j'ai déjà fait le jeu 3 fois, petit? Ah, tu te trompes, hein? Sur mon compte. Pour revenir à notre sujet, que sont les épreuves Korogu? C'est un rite de passage à l'âge adulte, au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Korogu. Épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3. À l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Et il y a une récompense à la clé, bien sûr. Cède à ta cupidité, sois matérialiste, et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super, bon courage. Bah écoutez, mesdames et messieurs, on va faire ça dans cet épisode, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et au prochain épisode, oui, je sais, je suis méchant, on retirera l'épée de légende. Ah là là. Mais en vrai, je dis que je suis méchant, mais moi, je vais m'arrêter de tourner, donc ça m'embête aussi un petit peu, mais... Voilà, c'est toujours bien d'avoir un peu de suspense. On se dirige vers l'épreuve de... Je ne sais pas quelle direction on est, mais c'est pas grave. On verra bien. Ah voilà, l'épreuve est là-bas. Je crois que c'est l'épreuve du fer, hein. Du coup, il va falloir utiliser Polaris, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, cette musique, elle est trop bien, franchement. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a eu un petit remix de la forêt Kokiri, voilà, dans la cinématique de l'arbre Mojo. C'est plutôt sympathique, je trouve. Alors, qui va superviser cette épreuve? Est-ce vraiment l'épreuve du fer ou pas? Y a pas de Korogu? Je suis sûr qu'il y en a, c'est pas possible. Ah si? Ah, c'est lui. Ah, c'est l'épreuve des fleurs, c'est l'épreuve des fleurs. Ah, et Didi, tu es le héros? Oui, c'est bien toi, hein. Didi, tu vas subir l'épreuve Korogu? En effet. Ah, je le savais, j'en étais sûr. Alors attends, j'ai un service à te demander. Un tout petit service. Mon tout petit, tout mignon Azeti s'est parti subir l'épreuve Korogu.
Lui qui ne me quitte jamais d'habitude, il a tenu à partir tout seul. Tout seul ! Alors je l'ai laissé y aller. Je n'avais pas le choix. Quelle tête de mule. Mais ça ne m'empêche pas de m'inquiéter. Ah, comme j'ai peur qu'il se perde. Ah, comme le monde est grand. J'aimerais donc que tu le suives. Oh, il ne faut surtout pas qu'il te voie. Non, surtout pas. Ok. Ah, il est là. Le petit copain Korogu, il est là. L'épreuve est par là. Très bien. Écoutez, on va suivre ce petit Korogu qui a l'air tout gentil, tout mignon comme ça. Alors par contre, je suis un peu proche, je trouve. Je vais peut-être me cacher comme ça. Si jamais il se retourne ou quoi, au moins, on est sûr qu'il nous voit pas. Ah, je... Oh, oh punaise. Voilà. Oh, ce truc a bougé. Le mec, il commence à flipper et tout. Après, il va courir en arrière des fois. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est horrible. Des fois, bah, on peut se faire surprendre facilement. C'est pour ça, il faut pas trop être près de lui. Mais de toute façon, son pote nous a prévenu, donc... Tout va bien. Oula, pas si vite. On voit plus rien. Il est où? Ok. Il y a des fois, on peut le perdre de vue aussi assez facilement. En fait, il faut suivre les fleurs, hein, c'est tout. Hein. Donc, il n'y a pas de réelle difficulté. Le sanctuaire est approché. Oh, punaise. Je connais cet arbre. Il dit ça, ok. J'ai trop peur qu'il me voie, c'est un truc de malade. J'espère qu'il me verra pas, hein, sinon... On est obligé de tout recommencer, mais vous inquiétez pas, si je me rate, il y aura un cut, évidemment, pour que vous ne subissiez pas cette épreuve de manière totale. Hein. On va le laisser avancer tranquillement, pour l'instant, ce jeune Korogu. Insouciant. Ok, il se dirige par là-bas, j'espère qu'il va pas avoir peur de quelque chose. Pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, on se cache ici, derrière la racine de l'arbre, on est pas mal. Ouf, eh ben dis donc, pour l'instant, ça va. Ok, alors on va éviter de le perdre de vue aussi, hein. C'est sûrement par là. Ok, il est pas en panique pour l'instant. Donc tout va bien. Ah, il y a un petit rayon de miel. Il peut y avoir des guêpes, donc il faut faire attention. Ok, est-ce qu'il va tourner ou pas? Bon, ça a l'air d'aller, hein. On avance tranquillement. Est-ce que vous pensez que si on siffle, il nous remarque? Je pense que je vais faire ça. Regardez. Ok, il se pose des questions. Oh non, reviens pas. Mais non! Il veut pas aller jusqu'à moi quand même. Je crois que si. J'aurais jamais dû faire ça. Ne va pas jusqu'à moi! Mais petit! Non! Ah, en plus, vous le voyez pas, Yamakam. Je pense. Enfin, je me rends pas compte. Ah, je suis foutu. Je suis totalement foutu, mesdames et messieurs. Est-ce que je grimpe? Je suis foutu. Non! Non! Un fantôme! Hein? Quoi? Tu m'as suivi? Mais j'avais dit que je pouvais y arriver tout seul, c'est trop nul, je dois tout refaire maintenant. J'aurais jamais dû siffler, mesdames et messieurs. Bon bref, on se retrouve à cet endroit parce que... Oh, je suis vraiment un boulet quand même, hein. Quelle idée aussi. Au moins, je sais ce que ça fait, c'est déjà bien. Ah là là, Zétis, t'as vu. Cet enfant est vraiment trop nerveux, vraiment trop nerveux. Il a dit qu'il y retournerait, alors ça me ferait plaisir que tu y retournes aussi. Bref, on connaît tout ça, on avance. Je suis le pire des pires. Regardez où nous sommes, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour à l'endroit... Oups, bah, dis donc. Nous sommes de retour là où il y avait le petit Korogu malicieux qui nous avait vu. Malheureusement, parce que j'aurais jamais dû siffler, mais bref. Là, on continue. J'espère que ça va bien se passer. Je crois que j'ai raté qu'une seule fois dans ma vie... Oh, punaise. J'ai raté qu'une seule fois dans ma vie cette épreuve. Du coup, là, c'était la deuxième fois actuellement. Mais, quelle idée. On va avancer en espérant qu'il ne se retourne pas, parce que je suis en plein milieu, voilà. Allez, soyons prudents. Oh, ça va. Je pense que ça va quand même. Dans le doute, je me cache. Ok, on va se cacher. Oh, punaise. Ah non, c'est bon. Il a juste vu les fleurs, tant mieux. Ok. J'en suis à la moitié. Ça nous rassure totalement. Absolument pas. Bon, il ne faut pas perdre de vue ce petit enfant. Ah, je crois qu'il faut faire très attention parce qu'il me semble qu'il ne faut pas le suivre tout de suite car il va avoir peur. Si je dis pas de bêtises, il va se retourner et courir très vite. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Je crois que je dis des bêtises. Oh oui, ce serait assez relou qu'il fasse ça. J'ai très peur qu'il fasse ce que j'ai dit, mais en même temps, ça a l'air d'aller, donc... Par contre, je vois plus du tout. Où est ce Korogu? Ah, il est là-bas. Ok, super. On le voit bien. Pour l'instant, ça va, hein. Pas de problème particulier à noter. Oh, ne me vois pas, je t'en prie. Y'a quelqu'un? Eh oui.
Oh punaise. Regardez-moi ça. Quand il revient sur ses pas, je déteste. Il me saoule avoir peur comme ça. J'espère que ce buisson suffit à nous cacher parce que sinon... Bon, ça va. Il ne regarde pas dans la direction. Voilà. Je pense que c'est la... Je pense que... c'est l'ombre d'un arbre. T'es rassuré maintenant? Allez, ça n'existe pas les fantômes, mec. Quoique... Bien sûr que si, ça existe dans l'univers de Zelda. Que dis-je? Ah là 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 là. Ok, donc... Alors... On va continuer d'avancer, hein, écoutez. Je pense que là, on est pas mal. Le sanctuaire, il fait que de biper depuis tout à l'heure. Mais on ne le voit pas. Est-ce qu'on va finir par le voir? Je l'espère. Il n'y a pas de fantôme. Ben voilà, on est raisonnable d'un coup. J'espère qu'on va le voir, ce petit sanctuaire. Il fait noir, ça fait peur. Oh, ça va, toi, depuis tout à l'heure, tu marches. Il fait pas plus noir que tout à l'heure, hein. Sale Korogu. Ah, je devrais pas dire ça. Oh non, les loups. J'ai peur. Ah, saoule pas comme ça aussi, toi. Mais écoutez, on va se faire le loup parce que sinon le pauvre Korogu va mourir de peur. Ok, c'est bon. T'es content, le Korogu? Eh ben, tu t'en rends pas compte, hein, que c'est moi qui t'ai sauvé. Allez, continue ta route, je t'en prie. Allez. C'est bon. C'est bon, il continue. Enfin, j'ai l'impression, oui. Il va par où? Je sais pas du tout où il va. Je déteste... Je trouve que c'est la pire épreuve, hein. Parce que ça met toujours 200 000 ans à se faire, parce que le pauvre petit ne sait pas où aller. Il est un peu perdu. Ah, j'y suis presque. Est-ce qu'on voit le sanctuaire, là? Je suis pas sûr. Non. Toujours pas, malheureusement. J'espère que c'est bientôt fini, honnêtement, parce que, j'avoue, ça me saoule. Je trouve que c'est un peu une des pires épreuves sanctuaires, parce que c'est hyper long. Et faut surtout pas se faire remarquer, parce que sinon on recommence depuis le début. Et c'est horrible. Oh, il est là. Mesdames et messieurs, on voit le sanctuaire au loin. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Oh non. Ah, je crois qu'il avait peur. Oh, punaise. Il a entendu du bruit. Mesdames et messieurs, je suis obligé de me cacher. Oh, il saoule de ouf, hein. Ah, mec, s'il te plaît, mais pas 30 ans. Heureusement qu'on voit son point d'interrogation. C'est bon, t'es content? Ce n'est personne. Oh, il continue d'avancer. Il m'entend depuis tout à l'heure? Ah, c'est bon. Est-ce qu'il se redirige dans le bon endroit? Je sais pas où il va. Ça me stresse. Ok, si, si, c'est bon. On le voit un petit peu. On le voit très mal, mais on le voit. C'est le principal. Ok. Il est où? Ah, oh, je l'ai perdu de vue, ça y est. Super. Oh, je sais pas où il est. J'ai peur de trop m'approcher, mais en même temps, si je le vois pas, c'est qu'il est pas si proche. Hein. Ah, c'est bon, il est là-bas. Ok, en fait, il a foncé tout droit, c'est juste qu'il est allé tellement vite pour une fois. Cool. L'épreuve des fleurs, ça y est. T'es content, mec? Je suis arrivé, j'ai fini l'épreuve. Hein, qui es-tu? Oh, ça, par exemple, tu es le héros. Ami héros, j'ai réussi l'épreuve. Et tout seul, oui, 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 tout seul. Ah, au fait, une bénédiction t'attend dans le sanctuaire. C'est le vénérable Arbre Mojo qui l'a dit. Alors, tu y vas, hein? Oh, t'inquiète pas, mon pote. Le sanctuaire de Dashokai. Ouais. Écoutez, on y va, hein. D'ailleurs, après, je vais vous... Ah, je voulais vous montrer la carte. En fait, il y a le Maremido, je crois, et le Laxaria. C'est plutôt cool. Bof. C'est un peu... Enfin... Voilà, c'est encore une référence sympathique, quoi. Ça fait un peu penser à la forêt Kokiri, parce que Mido, Saria, on est dans la forêt Korogu, tout ça. C'est le truc qui fait plaisir. Allez, la bénédiction, on a compris. On va récupérer notre arme, qui est donc je ne sais pas quoi. On verra bien. Attention. Ah, un cœur antique, très bien. Bah, tant mieux, hein. Au moins, ça ne prend pas de place dans la sacoche. On va pouvoir activer ça et se barrer, hein, et faire la prochaine épreuve. J'espère que ça met pas 200 000 ans. Au pire, tant pis, ça fera une vidéo longue spéciale pour un truc cool, donc je pense pas que ce soit gênant. Et voilà, emblème du triomphe, encore une fois, super. Et voilà, nous sommes de retour à la forêt Korogu, mesdames et messieurs, car oui, on a enfin fini ce sanctuaire. Oh là là, horrible. Enfin, cette épreuve, en fait. Du coup, on va faire les deux autres épreuves qui se trouvent là-bas. Il y en a une là et une là, je crois. Attendez, on va vérifier les panneaux. Non, ça c'est la sortie. Épreuve du feu, c'est par là. Alors, où est l'épreuve du fer? Bon, on s'en fout un petit peu, mais en tout cas, pour l'instant, c'est par ici. L'épreuve du feu, alors, elle est assez rigolote, vous allez voir. Il faut juste pas se faire toucher, hein, c'est tout. Hein. C'est assez simple, finalement. On peut speedrun le truc, donc c'est plutôt cool. Donc, ça me plaît.
Un défi, ça te dit ? Oh que oui ! J'attendais ta venue. C'est ici que va se dérouler la plus difficile des épreuves Korogu, l'épreuve du feu. Ouais, pour réussir, il suffit d'atteindre l'arrivée avec le set d'armes de l'épreuve toujours équipé. Tu veux essayer ? Bien sûr ! C'est parti mon kiki, tu dois toujours avoir l'épée, l'arc et le bouclier équipés si tu en casses ou en enlèves un, c'est raté. Raté, raté. Oh mince, on dirait que ta sacoche est pleine. On ne pourra pas commencer l'épreuve tant que tu n'auras pas de place pour une arme. Ok. On va faire de la place. Alors là on a de la place, là on a de la place, et là on n'en a pas. Alors on va enlever une épée. Bon, je vais enlever la lance. Parce que je pense que c'est la moins bonne. Allez, c'est bon, on commence, super. Voilà, on va éviter de se faire déséquiper de tout ce qu'on a sur nous, hein, ce serait pas mal. Du coup, on a un arc des sylvains, un bouclier sylvain et une épée sylvain, logiquement. Enfin, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon. On verra bien. Ça va commencer. C'est parti. L'arrivée, c'est le sanctuaire qui se trouve tout au bout. Allez, va la Miero. Très bien. Oh, regardez-moi cet équipement de qualité. L'équipement en bois. Oh là là. 2, 1, on est chronométré ? Ah non, on n'est pas chronométré, j'ai trop cru. Alors, on va essayer de pas trop gaspiller tout ce qu'on a. Hein. Faut faire attention parce qu'il y aura des trucs de feu, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Les chauves-souris, je vous laisse. On aura des trucs électriques pour nous déséquiper également. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça, on les laisse. Pour l'instant, on n'a pas besoin de se casser la tête avec eux. Quoique, attendez. On peut leur réserver une surprise, cela dit. Voilà, on les défonce. Alors attendez, je fais n'importe quoi. Oh là ! À quoi vous jouez les enfants ? Voilà. Ah oui, il récupère des vies. Cochon malade. Voilà. Bon écoutez, on peut utiliser l'épée quand même. Hein. Je pense que c'est aussi le but finalement. Donc on va se faire plaisir. On va pas se gêner à ce niveau-là. Voilà ! On se met bien. Bon, on va essayer de faire cramer l'équipement, évidemment, hein, ça serait dommage. Alors du coup, on va passer par là, par les caisses. Ah, on peut pas sauter, ok. On va passer comme ça, hop. Ah, attendez, tac, voilà. Voilà, toi c'est bon. Tu pas ton pote, hein. On te jette dans la boue. Toi, on te fait un headshot. Ah oui, c'est vrai que c'est triple flèche. C'est très pratique. Super, bah écoutez, on va continuer. Pour l'instant, c'est très facile. Hein. Voilà, c'est là que ça commence à se compliquer. Parce qu'on commence à être embêté. Voilà. On va éviter de faire brûler l'équipement, ça serait dommage. Voilà. Cela dit, on a des courants ascendants, ce qui est vachement pratique pour avancer finalement. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Oh là ! Mais attendez ! Mais attendez, voilà. On va virer ça. Parce que c'est très embêtant. Ok. Alors vous les enfants, vous allez vous tenir tranquille s'il vous plaît. Je suis en train de me faire défoncer, c'est un truc de fou. Voilà, toi c'est fait. On va mettre une protection avec Cryonis. Parce que là ça ne va plus là. Oh, on a de la gelée chuchu jaune, super. Oh là là, le truc de glace qui fait peur. Ok. Ok, non, ça va, ça se passe bien. Ok, non, non, c'est bon, on est protégé. Enfin, à peu près. Hein. Ouf. Bah, dis donc, ça s'est bien passé. Et là, là, c'est un peu le final, si vous voulez. Donc, on va essayer de s'en sortir, ce serait pas mal. Oh, par contre, saoulez pas, les gars. Hein. Restez un peu tranquille, s'il vous plaît. Ah, on l'a pas eu. Alors, il est où l'électrique, là, qui nous tire dessus? C'est qui? Attendez, je suis sûr qu'il y a un électrique là. Ah non, c'est le feu. Ah, c'est lui. Mais il n'y a pas un électrique? J'ai trop peur de l'électrique, hein, vraiment. Je sais pas où il est, mais il me gêne. Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Écoutez, on va juste se débarrasser de ce truc. Parce qu'il commence à saouler grave. Hein. Ah, ça passe pas. Bon, écoutez, tant pis, hein. On va le buter à l'arc de manière totalement classique. Ah, j'ai juste enlevé son petit chapeau. Ah, malheureusement raté. Ok, on l'a eu, j'ai plus de flèches. Mais j'ai des flèches de glace, c'est pas un souci. Bref, sur ce, on va aller au sanctuaire, évidemment. Hein. Pour ça, rien de plus simple. On utilise ça.
Voilà. Et là, on se sert du courant ascendant. Et on a terminé. C'était très facile, finalement. L'épreuve... Tu as atteint l'arrivée ! Damia, bon, j'ai un peu plus galéré que prévu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y arriver. Voilà, ma récompense m'attend, super. Ah, au fait, s'il a envie de te prendre, de vouloir repasser cette épreuve, reviens me voir. Bah, jamais de la vie, en fait. Je pense que je le fais une fois, ça suffit, y a pas besoin de s'infliger cela. En vrai, ça va, c'est des bonnes épreuves, mais c'est des bonnes épreuves une fois. Ah, batterie faible sur le truc. Ah, ça va, j'aurai le temps de finir quand même, je pense. Bon, ok, écoute, je vais charger ma manette. Ok, voilà, j'ai branché ma manette, je suis très sage. Bénédiction, du coup, de Mamoulano. Très bien, Mamoulano. On va voir ce qui se cache dans ce coffre. Un truc antique encore ou pas? Ah oui, oh oui, oh je dis oui. On a un cœur antique géant, mesdames et messieurs. Du coup, on va se retrouver encore une fois à la forêt Korogu pour faire l'épreuve du fer. Cette fois-ci, la dernière épreuve Korogu. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, je suis totalement perdu. Ça, je crois que c'est l'épreuve des fleurs. Ah non, attendez. Est-ce que ce serait pas l'épreuve du fer? Ah, je crois que si. Attendez, on va lui parler. Ah non, c'est bon. Ah bah attendez, mais what? Ok, bah très bien. Bah du coup, je sais même pas où était l'épreuve des fleurs. Je suis allé à des endroits totalement improbables. Bon bah super. Oui, je sais, il faut avancer sans me perdre. L'épreuve du fer, qu'est-ce que ça indique? Ça indique ça, regardez. Il suffit de regarder ça. Il faut se diriger vers les bons endroits sans se perdre dans la forêt. Car oui, on le sait tous, la forêt Korogu est assez vicieuse. Mais bon, c'est pas grave puisqu'on a... notre Polaris qui nous aide. Alors, c'est par où? Alors, où est le prochain endroit? Je ne le vois pas en tout cas. Je sais pas du tout où c'est. Non! Je suis vraiment bidon, hein. J'ai raté l'épreuve du fer, mesdames et messieurs. C'est la plus simple. C'est la plus simple des épreuves. Mais attendez, mais où était le deuxième truc? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, dis donc? On repasse l'épreuve, hein, bien sûr, hein, on n'est pas là pour rigoler. Alors, on a ça, et là, mystère. Hein. Alors là, j'ai rien vu du tout. On va tenter d'observer un petit peu, mais... Ah, je sais pas. Attendez, on va tester un truc. Bon, ça change rien, mais... Ah, c'est là-bas. J'ai vu, c'est bon. J'ai vu, c'est ici, super, parfait. Bon, bah, voilà. Là, je me perds pas. Voilà, c'est par là-bas, on a compris. Ensuite, une fois qu'on est là, c'est par où? Oula, on a un bruit de... C'est toi là qui m'embête? Est-ce que c'est toi qui m'embête? Voilà. Ensuite, c'est ici, ok. Après, c'est par où? Ah! Mais c'est pas de là d'où je viens? En vrai, peut-être que non. Ça se trouve, c'est de là d'où je viens. Oh, ça serait tellement bête. Non, mais je crois qu'on est pas mal. Au pire, il suffit de regarder la carte. Non, non, c'est bon, on n'y est pas encore allé. On n'y est pas encore... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un bouclier. Ah, super. Ah, wesh, poteau, comment tu vas? Ah, c'est un bouclier rouillé, simplement. Ok. Ah, c'est pas là où il faut faire une offrande de bouclier? Si, si. Dépose sur mon sein le bouclier ancien que... Ok. Super, on va faire ça. Ça va être très simple. On va tenter de le choper. Et sans nous faire avoir par les monstres, comme ça. Ouh, c'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attention, je crois qu'on a un radeau, non? Ah non, ah oui! C'est un coffre pour pousser le radeau, justement. Eh oui, mesdames et messieurs. Voilà, pour nous diriger là-bas. Oui, parce qu'il faut, bien évidemment, poser le coffre de l'autre côté. Donc, on est... Oh, okay. Ça va, je te dérange pas, mec? Laisse-moi tranquille. Tiens, regarde ce que je fais à ton pote. Tu veux subir le même sort? Ah bah, on dirait que oui. Ah, il s'en tape, hein. En fait, je suis sûr que c'est même pas son pote. Genre, c'est un mec random. Bon. Bah, tant pis. Allez, ciao les nazes. Je vous laisse. Moi, j'ai des choses à faire, hein. J'ai un coffre à prendre, par exemple. Voilà. Alors, on va évidemment pousser le radeau avec parce que c'est une technique incroyablement stylée. Regardez-moi ça. Hop. On se met comme ça. Et là, on pousse. Voilà, ça marche plutôt bien. Alors, il faut plutôt être bien placé. Ça aide, hein. Mais là, je pense que c'est bon. Alors, du coup... Il faut placer le coffre ou pas? Ou ce qu'il y a dans le coffre, peut-être? Ah non, le coffre, directement, ça marche. Ah, le sanctuaire apparaît, très bien. Et ben voilà, mesdames et messieurs, on a terminé la quatrième épreuve, Korogu. Ça s'est bien passé. Franchement, ça va. Pas trop de soucis. Je me suis encore perdu, évidemment, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, bah, c'est la fin de cet épisode. On arrive sur la fin, on va faire la bénédiction. Et ensuite, ben... Ah oui!
très important, récupérer les cœurs. Qu'est-ce qu'il disait ? Donne mon coffre au trésor donne mon coffre au trésor en offrande. Très bien. Alors qu'est-ce que c'était d'ailleurs ? Ah, un ambre brut, simplement. Ok. On va du coup terminer là-dessus avec un petit sanctuaire à faire. Très simple, hein, puisque c'est une bénédiction, évidemment. Et voilà, le sanctuaire de Kunshidaji. Kunshidaji, pardon. C'est toujours des noms assez bizarres, mais c'est pas grave. Hein, ça se trouve, ça veut dire quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous savez quelque chose sur ces noms de sanctuaires un peu bizarres. Je pense que c'est du hasard, honnêtement. Hein. Après, si c'est pas du hasard, bah, je sais pas trop ce que c'est, parce que... Vraiment, c'est très étrange. Enfin bon, l'essentiel, c'est de récupérer notre truc. On a eu cœur antique, on a eu cœur antique géant. Là, on va avoir un arbre antique, je suppose. Enfin, je sais pas. Ah non, encore un cœur antique géant. Mais mesdames et messieurs, c'est génial. C'est génial, on a tout ce qu'il faut. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Enfin ça, oui, il faut prendre les cœurs avant. Faut pas oublier. Comme ça, à l'épisode prochain, on commence directement avec du bon. À l'épée de légende, bien sûr. Oui, je suis héros, mec. Et voilà, là, on a pile poil 8 emblèmes du triomphe. On va pouvoir... Oh là là, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien ce qui arrive, mesdames et messieurs, j'adore. J'adore ce jeu, c'est incroyable. Pouf. On est allé à l'épisode 21 et on a toujours rien fait. Non, en vrai, ça va, franchement, on avance. Hein. On fait quand même des trucs. On fera le secondaire, évidemment, un peu plus tard, comme je le répète assez souvent, mais je préfère le dire, on sait jamais. Parce que je pense pas que tout le monde regarde absolument l'intégralité de la vidéo. Enfin, je sais même que pas tout le monde regarde toute la vidéo, évidemment. De toute façon, ça se voit hein, dans les stats YouTube. On a la moyenne du temps regardé, le watch time, hein, comme souvent l'appelle. Donc, je sais très bien que certaines personnes regardent que des tout petits bouts. Mais bon. Du coup, si jamais ça tombe là, sur ces personnes qui regardent le tout petit bout, au moins ces personnes savent que c'est que ce sera plus tard que je ferai le secondaire. Bref, au moins tout le monde est prévenu, hein, je fais du mieux possible. Voilà, voilà. Du coup, la statue de la déesse est dans un endroit bien particulier, dans la forêt Korogu. D'ailleurs, on peut remettre notre masque, bien sûr, attendez. Notre masque de qualité, oh damn. Alors, on va rentrer à l'intérieur, mesdames et messieurs. Alors, déjà, on va lui parler, on dit qu'on a réussi. Mais tu as fini toutes les épreuves ? Bah ça alors, quel courage ! Quelle intrépidité ! Quelle vivacité ! Le moment de retirer de l'épée de légende est proche. Très proche. Dépêche-toi qu'on puisse te regarder faire. Allons, allons ! Oh, ce regard ! Toi, tu veux ta récompense pour avoir réussi toutes les épreuves. Ah bon, je t'ai fait une promesse après tout. Tiens, voilà pour toi, prends-en soin, c'est précieux. Oh, bien, bien, bien. Les plats qui contiennent une grosse truffe max sont si nutritifs qu'ils te rendront beaucoup plus vigoureux. Cet effet est immédiat, tu sentiras une énergie presque infinie envahir ton corps. Et pour une fois, je ne plaisante pas. Essaye donc, si tu ne me crois pas. T'inquiète, on va essayer, mec. Macus est sur le coup. Très bien, et là, on pénètre dans l'arbre mojo, mesdames et messieurs. Et la statue, elle est... Ah, bah, elle est là. Super, on va pouvoir récupérer nos cœurs. Oh là là, quel plaisir. Un cœur en plus, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, merci beaucoup, madame. La statue... Oh, regardez-moi cette beauté, ce réceptacle de cœur. Et la musique, qui arrive. Encore une fois, un maximum de plaisir. Et du coup, on va pouvoir en prendre un deuxième d'affilée. Oh là là, c'est pas beau ça. Un cœur en plus, on va passer à 13 cœurs, du coup, normalement, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exactement. Oh là là, on est à 13, mesdames et messieurs. Enfin, à 13, normalement, on peut retirer l'épée de légende, qu'on fera bien sûr. Au prochain épisode, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, sincèrement, parce que c'était, voilà, tranquille. Chez les Korogu, on se met bien. Donc la prochaine fois, vous l'avez compris, on va retirer cette épée. Ouh, ça va être cool, ça va être très très cool. Du coup, ben voilà, si ces épreuves vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une triforce bleue en bas de cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, si ça vous intéresse, de ne pas louper mes prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis à demain pour l'épée de légende. C'était Erinku, portez-vous bien. Ciao tout le monde.